au-delà de tout ce qu'on parle là, c'est quand même la Coupe du Monde, la chose la plus importante quand même, non? La Coupe d'Afrique, ok, il y a un accident, ok, on va mettre ça. Aujourd'hui, on met ça en accident, mais demain, c'est plus un accident si on passe par un. Et l'Algérie ne peut pas se permettre de pas aller au Qatar, c'est pas possible. Comme on est nous, on ne peut pas. Avec ce qu'on a fait comme soi-disant invincibilité, qui était quand même, pour moi, l'arme qui a détruit l'équipe, là, qui a fait en sorte, c'est cette invincibilité qui a caché beaucoup de choses. On aurait dû perdre depuis très longtemps, et on aurait dû, peut-être les années où on est, 2 ans où on est passé, on aurait dû peut-être faire des essais sur des joueurs qui auraient pu apporter un plus, et on ne l'a pas vu. On a vu des joueurs qui sont arrivés, et on n'a pas vu des joueurs qui apportent le peps, qui apportent le dynamisme, surtout sur le plan offensif. Voilà, c'est. On revient pas sur toujours les mêmes joueurs pour dire on va faire. Là, Slimani, on dit ça, mais Slimani, c'est un très bon joueur. Il joue en France, à Lyon, il est là, et on le voit, il a pas ce que l'œil du tigre. Tu sais, ce qu'il avait, Slimani, à une période où il marquait. Là, on l'a perdu.